Pour les Celtes, le chêne est un arbre important. Tous les arbres sont importants puisque la légende veut que les êtres humains sont nés de l'arbre, ont été enfantés par papa arbre et maman arbre, ce qui fait qu'il y a une relation particulière avec les arbres et la forêt pour les Celtes. Le chêne... C'est pas du folklore. Nos habits, nos couleurs, chaque dessin, chaque symbole, c'est une manière d'honorer et de graver dans la matière toutes les lois de l'univers. De renouer avec des rites, des rituels, dans le quotidien même, d'avoir des rituels et de les faire en conscience. C'est une manière de créer une alliance. Il y a un musée en France qui s'appelle le Quai Branly, qui a voulu honorer la médecine des chamans. Et ils ont appelé leur exposition « Les maîtres du désordre ». Alors c'est pas qu'ils sont les maîtres du désordre, mais ils maîtrisent le désordre pour éviter que le désordre anéantisse et que le chaos puisse anéantir l'ordre. Donc on est vraiment gardien du désordre et gardien de l'ordre à la fois. Bienvenue dans le cairn, le cœur de la terre-mère, le chaudron, l'utérus, l'espace féminin, l'espace du féminin sacré. Bienvenue dans ce lieu qui symbolise la matrice. C'est un lieu de paix et c'est quand même un grand luxe aujourd'hui, dans notre 21e siècle, de pouvoir se retirer du monde, d'être dans le total silence, la totale, aucune distraction visuelle, pas d'écran, pas de son, pas de musique, soit face à soi. C'est un luxe absolu. Et si on a la possibilité de se l'offrir, si vous pouvez le faire un jour, faites-le. C'est quelque chose d'exceptionnel qui marque, alors là pour le coup c'est un rituel de passage, parce qu'il y a eu avant et après. On ne peut plus être le même. Alors vous êtes bienvenue dans le chaudron. Ce lieu est un lieu particulier, unique, puisqu'il s'appelle le lit de pierre, et que vous voyez là, il a été creusé par les humains pour faire un lit de pierre, et c'est un lieu de guérison qui a toujours été utilisé, qu'on appelle le lit de pierre du camp du drap blanc. C'est son nom traditionnel en français. Le camp du drap blanc. Pourquoi ? Parce que... La tradition celte, on se met au service de la personne. Dans le meilleur des cas, on n'attend rien, on n'a pas d'attente. On donne le meilleur de nous-mêmes pour la guérison de la personne. Ça reste quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui pouvons décider. Si on pouvait décider, tout le monde serait guéri, ça serait super. Mais ça fait partie du destin de la personne et du mystère de la vie. C'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'il faut comprendre. Par contre, ça ne veut pas dire que